Elisabeth Borne, donc la ministre du Transport du gouvernement Édouard Philippe, qui elle est? Avant d'être ministre, elle était présidente de la RATP où elle gagnait 27 000 euros par mois. Et puis elle avait été aussi employée avant à la SNCF, elle était directrice de la stratégie jusqu'en 2008. À l'époque, un rapport lui a été remis par l'École polytechnique de Lausanne sur l'état catastrophique du réseau ferroviaire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Pourtant, elle était aux manettes.